Bon appétit, Napoléon et Joséphine. Ah, mes chéris, j'adore les poissons, mais les autres animaux. Bonjour, Madame Mimi. Vous parlez à qui? Moi? À personne? À la plante. Une très belle plante. Belle journée pour nager. Pas vrai? Oui. Non, je n'aime pas nager. Puis maintenant, au travail. J'ai beaucoup de travail. Allez, au revoir, les enfants. Un peu bizarre, non? Bonjour Madame Mimi, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, très bien, merci. Quelle belle journée, Oh. une belle journée pour aller au zoo. Au zoo? Pourquoi? J'adore les animaux. Ah oui, il adore les animaux. Ah. C'est quel animal, Madame Mimi? Devinez. Un chat. Comme un chat, un gros chat. Un lion. C'est ça! Encore un autre. Bon, un crapaud. Essayez encore. Allez, encore un autre. Mais si vous voulez. Un gorille. Allez, allez, allez. Au revoir, Madame Mimi. Un zoo pour les animaux. Mais ici, c'est un zoo. Oh, mon petit chéri. Oh, Madame Mimi, aidez-moi. Quel est le problème? Mon adorable petit Fanfan. J'ai perdu Fanfan. Qui est Fanfan? Qui est Fanfan? Mais comment ça, qui est Fanfan? C'est mon bébé! Votre bébé! Oh! Je téléphone à la police. Non, 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 arrêtez! Mais mettez ça au mur. Il s'appelle Fanfan. Il a 3 ans. Il a de grands yeux marrons. Il adore regarder la télé. Oh! Oh! Mon Dieu, mon Dieu! Il mange les lapins! Oh! Mon Dieu! Oh! Quoi? Votre fils de 3 ans mange les lapins. Oui, regardez. C'est un chien. Oui, mon adorable petit chien. Mimé. Merci, Madame Mimi. Au revoir. Oh, mais j'ai dit pas d'animaux. Gérard, c'est ta mère. Madame Zinzin et son petit-fils sont au zoo aujourd'hui. Je sais, tu aimes les animaux, Gérard. Ensuite, Sonia, l'artiste, arrive et dit: Oh, j'ai perdu Fanfan. Qui est Fanfan? C'est son petit chien qui mange des lapins. Oui, des lapins. Oui, je sais, j'ai dit pas d'animaux. Gérard, il y a quelqu'un. À plus tard, au revoir. Bonjour, Madame Mimi. Céline, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, rien. Quelque chose pour l'école. Oh, j'ai faim. Excusez-moi. Au revoir, Madame Mimi. Au revoir, Céline. Bonjour, Madame Mimi. Comment allez-vous? Bonjour, docteur Blague. Oh, j'ai mal aux pieds. Asseyez-vous. J'ai une blague. Oh non, pas encore. Bon, alors. Toc toc. Qui est là? Annie. Annie qui? Animal. Vous comprenez? Bon, vite, au travail, au travail. Au revoir, docteur Blague. Rebonjour, Thomas. D'où viens-tu? De l'animalerie. Oh,
Qu'est-ce que tu as acheté? C'est une surprise. C'est pour Télécatastrophe. C'est long, mince et vert. Devinez. C'est long, mince et vert. C'est un serpent. Je sais que c'est un serpent. J'ai dit pas d'animaux. Je n'aime pas les serpents. Je téléphone à Gérard. Voici une carotte pour toi, sel. Et une pour toi, poivre. Et un beau petit lit. Vous restez ici avec moi. Chut, top secret. Enfin bref, Céline arrive avec une grande boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Peut-être un animal. Et puis Thomas arrive avec un sac. Je dis à Thomas, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Et Thomas me répond, c'est une surprise pour Télécatastrophe. Et il me dit, c'est long, mince et vert. Devinez! Oui, long, mince et vert. Je pense que c'est un serpent. Oui, oui, je sais, je n'aime pas les serpents. Ah, Madame Mimi, Fofo est ici. Non! Gérard, je te téléphone plus tard. Poivre et sel ont disparu. Bizarre, bizarre. Poivre et sel? Mon sac a disparu. Oh, c'est bizarre ici. Et maintenant, quelle heure est-il? L'heure de la météo avec Lulu. Bonjour. Aujourd'hui, dans le nord et dans l'est, le ciel est gris, mais il fait assez chaud. Dans le sud et dans l'ouest, le ciel est bleu et il fait beau. Et dans le centre... Mais oui, ici! Dans le centre, le ciel est bleu, il fait beau et le soleil brille. Pas de pluie ici! Ah, bien! Oh, le sac de Thomas et le serpent! Madame Mimi, non! Oh! Quoi? Un tuyau? Et pas un serpent? Un serpent? C'est pour Télécatastrophe! Aujourd'hui, une surprise! Bonjour et bienvenue à Comment faire? Voici Thomas. Et voici Céline. Aujourd'hui, comment faire un aquarium? Pour faire un aquarium, il faut une boîte en verre, du sable, des algues et des escargots. Ils ont disparu! Enlève-les! Thomas, arrête! Et enfin, de l'eau bien sûr. Tout d'abord, mets le sable au fond de l'aquarium. Verse l'eau dans la boîte. Ajoute les algues. Mets les escargots. Mets les escargots. Et très important, un tuyau. Bravo Thomas, et voilà un aquarium. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Elle vous dit au revoir. Alors Sonia a trouvé son chien Fanfan. Oui, mais Poivre et Sel ont disparu. Qui sont Poivre et Sel? Je ne sais pas. Et le sac de Thomas a disparu. Mais oui, le sac avec le serpent. Mais Thomas met la main dans le sac et il sort un tuyau. Oui, un tuyau pour l'eau.
Oh, Gérard, excuse-moi, au revoir. Oh, Madame Zinzin. Il pleut ? Ah oui, il pleut. Oh. Et le zoo ? Oh, magnifique ! Qu'est-ce que c'est ? Comment s'appelle-t-il ? Mon gorille s'appelle Brioche. Bonsoir, ma famille préférée, la famille catastrophe. Psst, Jean-Luc, le tableau avec le menu. Que voulez-vous manger ce soir ? Mademoiselle Catastrophe, d'abord ? Rien, je n'ai pas faim. Pas faim ? Pourquoi ? Sel et poivre ont disparu. Mais ce soir, nous avons des plats du jour. Nous avons du beefsteak. Et puis, du poisson. Et aussi de l'agneau. Et la spécialité maison, du lapin. Du lapin ? Pas sel et poivre. Oui, qui sont sel et poivre ? Je ne sais pas. Oh, Madame Mimi, bonsoir, comment allez-vous ? Je suis en colère. Pourquoi ? Ma plante, voilà le problème. Oh, c'est les poivres, mes petits lapins. Ah, désolé, j'ai dit pas d'animaux. Mais... Non, non et non. C'est pour vous. Oh. Mais pourquoi faire ? Pour deux poissons, peut-être. Quels poissons ? Napoléon et Joséphine, vos poissons. Mes poissons, ben merci. Merci beaucoup. Eh bien, Céline, tu voudrais garder sel et poivre ? Mais Madame Mimi, c'est impossible. Vous avez dit pas d'animaux. Bon, ils sont très gentils. Oui, et très bons avec des pommes de terre et des petits pois. Eh bien, garde tes lapins, Céline. Oh, merci. Tu peux rester aussi. Vous pouvez garder Fanfan. Formidable ! Pour Madame Mimi, hip-hip-hip ! Ouah ! Hip-hip-hip ! Ouah ! Oh, et merci pour la nouvelle maison de Napoléon et Joséphine. Bon appétit et bonne nuit, Napoléon et Joséphine.